俺はまだ二度言わせないで。あ、おう。Alors, la colline d'observation. J'aime beaucoup le changement de décor, on se croirait au printemps là. Eridemenancia. Midori ni owareru shi hōjō no kuni dakke. Sono na no tōri ichimen midori da ne. ああ、風も気持ちいいし、カラグリアやシスロディアとは大違いだな。なんて雄大で豊かな自然、美しいわね。何？いや、そういうところは同じなんだなって。あそこに見えるのが主婦ビスキント。いいこと、メナンシアは五領の中でも排出した王が多かったはず。心なさい。あ、シオン。俺たちも行こう。ロー、大丈夫か？ああ、いや、この景色親父にも見せてやりたかったなって思ってさ。さあ、置いてけぼり食らわないうちに行こうぜ。大丈夫かな。こればかりはあいつ自身が乗り越えていくしかない。精霊力には属性があり、ダナには闇がなくて、レナには光がないんだったよな。うん、小さい頃うんざりするほど覚えさせられたっけ。闇の属性のことはどうやって知ったんだ。ダナにはないわけだろ。わからないよ。どの知識がいつどうやって得られたのかなんて、忘れられた知識だってきっとあるだろうし。確かにな。それがあったことすら忘れちまったこともきっとたくさんあるんだろうな。うん、だからこそせめて残ってるものは大切にしないとだよ。昔のものが好きなのか。好きっていうか、私とこの世界をつないでくれる感じがするから。つないで？なんでもない、気にしないで。やっぱりわかるわけないか。しょうがないよね、フルー。Ça me fait penser que dans les grottes, j'ai pas trouvé de hibou. やってやれ！やれるわ！どこだ？決めてやる！報酬違ってくる！決めるぞ！氷の槍を！止まれたか？Oh putain, j'ai trop laissé appuyer sur le bouton, ça m'a vidé ma barre de vie. Mince. Ah, il est trop loin. Ouais, on gagne que 6 PC là. Ouais. C'est pas ouf, hein.
Bon, il y a un campement ici, c'est un petit peu loin. Qu'est-ce qu'il me reste? 60 PS, bon, ça va le faire. Ah, c'est vraiment stylé. Hein. Salut Kuro. Pardon, je suis pressé. Qu'est-ce qui vous arrive? Mes amis sont gravement blessés. Ils ne bougent même plus. Bon sang. Est-ce qu'ils sont loin d'ici? Vous croyez que vous pourriez les aider? Shion. Ils sont un peu plus loin sur ce chemin. Je vous en prie, ils ont besoin d'aide. Ah, il va me ruiner mes derniers PS, lui. Mes blessures, elles se sont refermées. Vous m'avez sauvé. Laissez-moi vous remercier comme il se doit. Waouh, incroyable! Je n'ai plus mal du tout. Il y a quelqu'un d'autre, encore plus loin. Vous pourriez aller lui jeter un coup d'œil? Juste un coup d'œil? Oui, vous comprendrez quand vous le verrez. Soigner le poète. Mais j'ai plus de points pour le poète. On va recharger juste ici. しないわよ。あれ、次だろ俺。レンガだ。報酬違ってて。終わりよ。セクトだ。そう。ライバル。バッチシ。決まったな。 Cool. Les sous. 2 nouvelles armes évidemment. Celle-ci elle est bien pour Alphen. Très très bien même. C'est quoi ça? Arte améliorée de lumière je pense, non? Oh il est vraiment joli ce fusil. Thank you.
Hop là. Ça va pas mal, et toi, Kuro? その87。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 87
俺は絶対強くなる。そんじゃまた明日。よし、疲れは取れたぜ。Alors, on a de quoi soigner l'autre. Cette douce lumière, serait-ce donc ? Oh là là ! Qu'est-ce donc ? De la sorcellerie ? Seriez-vous une faiseuse de miracles ? C'est seulement un arté de guérison. Non, cela ne peut pas être qu'un simple arté de guérison. Je ressens de la compassion dans cette énergie, de la compassion teintée d'une toute petite pointe de solitude, de manque même. T'as percé un jour. Alphen, tu es dans quel camp? Si tu continues, je ne te soignerai pas la prochaine fois que tu en auras besoin. Pardon, désolé. Je vois, c'est donc à ça que ressemble le bonheur. Vous allez vous taire, oui. Et puis, comment est-ce que vous vous êtes fait? Comment vous êtes fait ça? C'est un zeugle qui vous a attaqué? En quelque sorte, oui. En fait, nous avons été pris au piège par une de ces horribles créatures qui a réussi à blesser mes compagnons. Dans la panique, je me suis cassé la figure et j'ai dégringolé jusque-là. Donc ce n'est pas le Zogle qui vous a attaqué directement. Où est-ce qu'il est passé? Il est parti? Il semblerait, oui. Quand il m'a entendu pousser le plus furieux des mugissements, il a pris la fuite. Eh bien, faites plus attention à l'avenir. À bientôt peut-être. Attendez, ne partez pas! Je suis un troubadour qui raconte à qui veut bien l'entendre l'histoire de ce monde fugace dans lequel nous vivons. On m'appelle la Voix d'Or. Et il y a une raison particulière pour que vous nous disiez ça? J'ai su dès l'instant où nos yeux se sont croisés que vous n'étiez pas des citoyens ordinaires de ce monde. Vous deux, vous êtes différents. J'aimerais tellement être le témoin privilégié de cette complexité émotionnelle que vous partagez. Si ça peut vous faire plaisir, je m'appelle Alphen. Tu ne vas quand même pas encourager ce type? C'est un plaisir de faire votre connaissance à tous les deux. Désormais, nous sommes liés par le destin. Nous nous reverrons bientôt. J'ai le sentiment qu'à l'avenir, les choses vont prendre une tournure des plus dramatiques. J'ai hâte que nos chemins se croisent à nouveau. Sur ces mots, je vous quitte. Beaucoup trépigne déjà d'impatience à l'idée d'entendre ma si belle voix. Alors adios, vaya condana. Il est flingué, lui. Bonne nuit, Exter. Emblème obtenu, guérisseuse. Ah. Ça m'a l'air assez intéressant. Et hop là. Je vais finir celui-là comme ça. J'ai un petit F plus 20. En élémentaire. Ouais, le poète, il fume je sais pas quoi, mais c'est pas des cigarettes. Trop géant à serrer, c'est pas ce qu'il me fallait pour l'autre. Non, croc de granit. Lui, c'est déjà bon. Salut Mérode, comment ça va? La route de Traslida.
Il y a un pouloulou pas loin. どうした?変な声なんか出して。悪かったな。ここの景色見てたら思わず出ちまったんだよ。景色?岩山とか緑がそんなに珍しいの?いや、言われてみればローの言う通りだ。アルフェンまで?ああ、カラグリアにも妙な形の岩はあったが、ここのは別格だ。見ろ、あの山なんて 巨大な波がそのまま岩に変わったみたいだ。だろ?あっちなんてまるで化け物の角か爪だぜ。あれでなんで崩れちまわないんだ?ああ、できればあの下は通りたくないな。それはそう簡単に崩れたりはしないはずよ。そうなのか?メナンシアは地の精霊力を集めているはず。つまりそれだけ豊かということ。さぞ堅牢なことでしょうね。 これだけ緑が生い茂ってるのもその陰ってことか。精霊力ってのはその土地の姿にまで影響を与えるのか。あの岩山もそのせいなのかよ。強い力はそれだけ多くのものに影響を及ぼすわ。炎のようにこんな風に偏ってるのは本当は不自然だよ。こんなの本当のダナの景色じゃない。誰かな。 レナジンが手を加えたってことか。そう言われると、せっかくの景色もなんだか違って見えてきちまうな。Oh, le clipping. C'est vrai que ça a l'air artificiel tout ça. Il y a bien trop de zeugles dans le coin. On ferait peut-être mieux de les éviter. Moi, je dis qu'on devrait les affronter. C'est bon pour la circulation. Et puis, ça m'aidera à chasser toutes ces idées noires. Et tout le monde sait bien que la seule chose pour laquelle je suis doué, c'est utiliser mes points. Il faut que je m'entraîne pour rester au top. Bien, si tu le dis, je te suis. Bonus d'enchaînement de combat. Après chaque combat, vous accumulez du bonus en fonction des points que vous remportez. Ce bonus s'affiche en bas de la carte de navigation. Ouais. Ah oui d'accord, c'est activé que maintenant ça. À mesure que ce total augmente, vous gagnerez plus d'XP, vous remporterez plus de butins et vous retrouverez plus souvent face à des ennemis rares. Ah ouais, je me souviens pas de ça. Votre bonus total diminuera au fil du temps. Ouais, en gros, faut les enchaîner. T'es en train de dessiner en regardant le stream? Ah, encore un dessinateur. Hey, hey. Oh non, ça m'a break. Il en reste encore tout un tas. On refait un tour? Ah oui, c'est une espèce d'initiation, quoi. Bon sang, tu avais raison. Je suis content d'avoir pu me défouler sur ces aigles. Ça m'a fait un bien fou. Tu vois, même avec les aigles contre lesquels tu te bats, tu dois te donner à fond. Ça finit toujours par payer. Ah d'accord, c'était cette fameuse quête. Du coup, ça va lui débloquer un truc. Permet de sauter quand vous êtes déjà en l'air. Double saut, quoi. Ça va pour lui.
Ah oui, on a les jauges. Cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai laissé là-haut? Ah. Une tomate. Je crois que c'est un ennemi. Je pense que c'en est un quand même. Ce doit être un espèce de golem. Là, je me trace un petit peu pour garder le combo. Putain, mais ils vont m'emmerder ça. Ah ouais, le bonus il est monté à 2,40 là. Tiens, il a changé. Ah, ça va être le niveau max de combo, ça. Du coup, il dure peu de temps. この調子でいこう。
Le problème étant que des fois les ennemis sont quand même très éloignés les uns des autres, comme c'est le cas là. En réalité, je suis pas trop fan de ce genre de bonus parce que ça permet pas de contempler entre guillemets le décor. Donc c'est bien quand on compte juste farmer, mais sinon on a tendance à se focus sur cette jauge et c'est un peu dommage. En fait, ce qu'il faut faire, faut nettoyer la zone et après ramasser les trucs, quoi. Limite. Calmez-vous là. Ah, putain, pourquoi ils ont pas tapé? Ah, c'est celui-là. Il est monstrueux celui-là. Enfin, depuis 10 heures de jeu, ça a quand même vachement changé. Hein. Là, ça part vraiment dans tous les sens. Ça a gagné en dynamisme en un rien de temps, d'une manière assez exponentielle. Ah, je crois que c'est un ennemi rare, ça. Enfin, je présume. Je m'attendais pas à ça, en fait. Un grand dragon. Putain, il a 92 000 points de vie. Niveau 26, c'est quoi ce délire? Faut que je me barre d'ici, là. Oh, putain. Ça va faire mal. Faut d'abord que je bute cela. Calme-toi là. Ouais, on termine un boss avec aussi peu de PC. Putain, ils se sont fait éclater.
Et moi ça va pas tarder je pense. Putain, j'aurais pas dû mettre le genre difficile. Ah, c'est là la fuite. Ici, je peux modifier des trucs. Et je vais quand même tenter un peu, on va voir. Elle est en train de se soigner ou pas là? Que je peux, oui, changer mes artés. Putain, c'est lequel déjà? Je sais plus lequel c'est. Ça va être chaud, Mona. Je vais quand même essayer. En fait, c'est quand il va passer en mode vénère que ça va être chaud. Ouais, je lui fais pas beaucoup de dégâts par rapport à son niveau en fait. Donc comme j'ai beaucoup de gelée orange, j'ai bien envie d'essayer. Mais non, pourquoi t'es allé dessus toi? Ça le fout va. Oh, putain, je peux pas l'arrêter ça. Elle s'est mangée une météorite sur la tronche. Et évidemment, ah si je peux la raser. C'est pas celui que j'aurais préféré, mais bon. Yeah.
やれるぜ。ロンド先生、氷のレンガだ。フリーズランド。Putain, il va encore crever lui. Non, j'aurais dû garder ça. Allez, Super Saiyan. Faut me soigner, Shion, en fait. Non, dans le vent. Oh putain, je suis à 170 coups. Restez pas devant les petits. Ah, faut que je la raise, absolument. Parce que sinon elle aura pas touché l'XP, je pense. Et B.
Nice. Oh. Putain, c'est quoi ça? Je crois que j'ai débloqué un nouvel arté à l'épée de feu là. Déjà, je vais faire un save. Ça, c'est le dragon qui m'a filé autant d'XP là ou juste je me rends pas compte de à quel point ça monte là. C'est peut-être grâce au bonus de combo. C'était quoi? Explosion écarlate. Non, c'est pas ça. Rafale brûlante, c'est ça. Donne un coup d'épée ardente au sol pour invoquer des flammes explosives. Non, c'est celui-là, pardon. J'en ai débloqué deux, du coup. Une taillade de l'épée ardente suivie d'un coup mortel. Par contre, j'ai pas trop compris comment on les sortait, celles-ci. Parce que c'est pas des skills qu'on a ici, normalement. Ah, bah c'est en fonction, en fait... Je viens de capter. En fonction de l'arté, le tranchant ardent, donc le skill qui en découle, avec l'épée ardente, est différent. Là, j'ai vague brûlante, là, j'ai cercle explosif. Putain, ça devient quand même vachement compliqué, là. Donc là, clairement, le cercle explosif, je peux pas le faire avec les artés que j'ai avec moi. Donc il faut que je change bah, soit ça, soit ça. Mais ça, je suis bien tenté de le monter un petit peu. Bah, nuée de dragon, c'est très bien ça. Allez hop, on verra bien. Putain, c'est abusé. Je croyais avoir nettoyé la zone, mais pas du tout. Je croyais que c'était un fou sur le sanglier, mais pas du tout non plus. Il était juste devant en fait. J'ai jamais compris comment débloquer les artés de l'épée. L'épée de feu, tu veux dire? Alors en fait, d'après ce que j'ai compris... déjà... T'en as quelques-uns ici, notamment l'envol du phénix. Ça utilise le tranchant ardent, ça veut dire qu'après... un certain arté, tu dois laisser appuyer sur la touche pour le déclencher. Mais ça, je pense que tu l'avais compris. Ensuite, t'en débloques de différents, apparemment encore une fois, en fonction de l'arté que tu utilises. Genre, comment je peux te montrer ça de manière claire? Te l'expliquer surtout de manière claire. Voilà, nuée de dragon, ça me permet de faire le tranchant ardent, cercle explosif.
encore faut-il le débloquer. Et avec dévastation éternelle, tu peux faire la vague brûlante. La vague brûlante, tu sais, c'est le truc que t'as dès le début. Donc en gros, faut débloquer des artés pour avoir des modifications sur les artés de l'épée de feu. Enfin, le tranchant ardent, quoi. Je sais pas si je suis clair. Attends, ça, si j'ai fait le tour de la zone, ça respawn en fait. Où est-ce qu'il est, mon hibou? Il est censé y en avoir un, mais il s'est pas vénère, Outel. Bon, je vais aller recharger de toute façon, parce que mes PS, ils sont très bas, là. C'est comment le débloquer que je piche pas, en fait? Bah, faut en utiliser. Quand tu dis débloquer, tu veux dire en avoir de nouveau, ou l'utiliser en... Enfin, ou l'utiliser, tout simplement. Je suppose qu'il faut utiliser, par exemple, Nuée de Dragon un certain nombre de fois. Je pense. Parce que là, c'est en faisant l'attaque du phénix, je crois que j'en ai eu un. Je dis bien je crois, je suis pas certain. J'ai lâché tellement de skills que j'ai pas fait attention, en fait. さて、寝るか。よし、行こうか。 Évidemment, tout un hip-hop. Alors, il y avait un chemin ici. Allez, à Viskint. Là, on a une quête. Je vais peut-être aller récupérer la quête déjà. Ce sera fait. Il n'y a pas à dire hein, d'avoir le niveau adéquat, ça change tout. Parce que là, ils sont niveau 20, je crois. Et maintenant que je suis niveau 20, même en difficile, ça reste à peu près gérable. Il va falloir que je teste, mais bon, je ne joue quasiment plus à Alphen. Ah, moi, je compte le jouer à mort. Hein. Pourtant j'étais venu ici, j'avais pas fait gaffe à l'objet. Oh, tiens. Ah bah tiens, croûte de granit, c'est pour faire l'arme, je crois, d'Alphen. J'ai un doute. Je l'aime bien cette zone parce qu'elle est assez vaste. Il y a plein d'ennemis, donc si vraiment il y a besoin de farmer, c'est une bonne zone. Merci mademoiselle, je vous promets de ne plus jamais sauter d'un pont. Je préfère le gameplay de Rainwell avec qui j'envoie des artés du futur. Ils ont tous des artés du futur, mec. Moi, je supporte pas de jouer des casters. Enfin, c'est surtout des personnages enfants que j'aime pas trop jouer, en fait. Et comme je le disais lors du dernier live, ça m'énerve un petit peu ce cliché de la magicienne qui a 14 ans, quoi. Enfin, même pas, en fait. Moi, je veux une sorcière badass. C'est pas compliqué. Là, je mets tout à Alphen en termes de points de vie parce que j'ai ça qui augmente l'agressivité. Donc, potentiellement, les ennemis vont l'attaquer. Ah.
なんだかえらくのんびりしてないか。どうなってるんだ。Il y a du lait, j'ai vu. Eh monsieur, tout va bien? Si tout allait bien, je serais pas là, allongé par terre. Non, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, j'arrive plus à bouger. Je devrais peut-être y voir un signe. Eh petit, tu veux pas aider un vieux schnock comme moi? Salut, gars. Bien sûr, pourquoi pas. De quoi vous avez besoin? J'espérais que tu pourrais me raccompagner jusque chez moi. C'est tout? Ça, je peux le faire. On allait justement dans cette... Non, pas par là. Moi, j'habite de l'autre côté de la ville. Ah, bon. On n'est plus à un petit détour près. D'accord, je vous ramène chez vous. Ça fait plaisir de voir qu'il reste encore quelques bonnes personnes en ces temps difficiles. T'as beaucoup de potentiel, petit. Ah, je n'ai rien de spécial. Je fais juste de mon mieux pour aider. J'ai oublié de te dire, mon dos me fait un mal de chien, tu veux bien me porter? C'était sûr. On nous a épargné la séquence. Quoi, t'es fatigué? Déjà? Tu m'avais l'air plus costaud que ça. Mais quand même, j'apprécie ton aide petit. Sans toi, j'aurais fini en pâté pour Zeugle en un rien de temps. Ça c'est sûr, mais dites donc... Vous êtes bien plus lourd que vous en avez l'air. Vous mangez quoi au juste? Ah, bonne question. Je m'appelle Bogdell, et ce ranch-là, il est à moi. C'est grâce à lui que je mange à ma faim, à défaut d'autre chose. Ce ranch? Tu sais pas ce que c'est qu'un ranch, petit? D'où tu crois qu'elle vient, toute la nourriture que vous mangez en ville? Mais en réalité, avec les autres types qui ont des ranchs, on est les fournisseurs de tout le royaume, Danien comme Rénien. Mais enfin, je te dois bien un petit quelque chose pour m'avoir ramené ici en un seul morceau. Ça va aller, ce ne sera pas nécessaire. Ah, tais-toi donc. Il faut juste que je trouve quoi te donner. Mais il n'y a pas grand-chose dont je puisse me passer ici. Ah, je sais. Vous avez qu'à tous profiter de ce ranch autant que vous le voulez. Ce bétail sera le tien. Je peux t'aider à élever quelques têtes si tu veux, ça te dit? C'est vraiment gentil, mais j'y connais rien en élevage, moi. Tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. À voir ta tête, les animaux vont t'adorer. Et je suis sûr que tu vas prendre grand soin d'eux. Non mais sérieusement. Vous pouvez élever du bétail pour en tirer des ingrédients à cuisiner. Cool. Il vous suffit de placer le bétail dans la grange et de lui donner à manger. Pour élever du bétail en plus grande quantité et plus vite, vous pouvez aussi lui acheter de la nourriture. Dès que votre bétail aura eu le temps de grossir comme il faut, vous pourrez récupérer des ingrédients. Pour pas dire la viande quoi. Le bétail peut se faire attaquer par des ogles errants. Des souris peuvent aussi venir ralentir la croissance du bétail en s'introduisant dans la grange. Prenez un chien de garde pour faire baisser le nombre d'attaques par des ogles errants. Et prenez un chat de garde pour faire baisser le nombre de souris qui arrivent à s'introduire. Aïe, par ici. Ok. Bon. Ah bah tiens, ça il en avait besoin lui. Allez hop, on termine ça. Attaque plus 10. Permet à tranchant ardent de rester chargé plutôt que d'infliger plus de dégâts. Mais vous consommerez plus de PV. Ah, mais ça c'est mortel. Hein. Moi ça me retire 400 ou 500 je crois. Allez on va prendre ça. Je vais essayer peut-être de finir ce truc là. Ça augmente l'attaque élémentaire ce qui est très très bien. Pour la frappe ardente notamment.
Ouais, viens dire bonjour aux souris, Aya. Bon, je présume qu'il faut lui parler pour placer des trucs. Alors, garde en poste. Mais il n'y en a pas. Allez, faut pas lésiner. Ah mais ils sont déjà affectés en fait. On sait qu'il fallait les placer justement. Au boulot, Aya. Attends, ça c'est pas un chien, c'est un renard, il va bouffer les poulets lui. Voleur de poule. Toujours ok sur le jeu, gars, encore plus même. Et puis j'ai débloqué des trucs complètement fumés. Après, si je veux passer avec un perso cac, je peux prendre l'eau. Il est encore plus agressif que Alphen. Bah ça dépend. Ça dépend si t'arrives à jouer Alphen ou pas, je pense. Hein. Ah tiens. Ah mais je crois que c'est quand je rentre dans la zone qui dit pouloulou. Il est pas forcément juste à côté de moi. C'est quoi ces cochons là? C'est des cochons lapins? Bon ça j'y suis déjà allé. Là-bas, c'est la ville, mais je voulais aller voir d'abord ici, je pense. Bonne soirée, Kuro. Les pommes de terre, vaut mieux en ramasser parce qu'à l'autre, elle en utilise 8 à chaque fois. Chion. La plaine de Tidal. Petit indice, le hibou est dans le champ de blé. Ça marche, merci. Je peux vous dire que la puissance des attaques, couplée à la manette DualSense, on a vraiment cette sensation de puissance justement. Salut Az. Ah, vous m'avez sauvé, merci. Quand ces ogles ont commencé à me poursuivre, j'ai réellement cru que mon heure avait sonné. Merci pour les tomates mon gars. Il est par là. Tiens, il est là. Je vais faire comme tout à l'heure, le tour de la zone. Ah,
精霊力を叩き込む。やるか。完璧だね。巻き込め。Je crois que j'ai bien fait quand même de passer le jeu en difficile. Je le garderai pas en difficile, je pense, pour les boss de l'histoire. Parce que je vais me tirer le peu de cheveux qui me reste sur la tête. Mais pour tout ce qui est en dehors des boss, je pense que c'est mieux. En théorie, on gagne plus d'XP, plus de PC. Peut-être de meilleures récompenses, je sais pas. Je suis en train de revenir sur mes pas. Et en fait, il n'y a pas d'ennemis. Je l'avais pas vu ça. C'est tout ? Bon. Nozuku wa iya nano ? Buki wo migai. Sandwich aux fruits. Comment ça, attaque élémentaire plus, ça descend? Réduit l'effet de 20%, d'accord. Ah oui, d'accord, elle augmente le temps. Très bien. J'avais pas vu en haut à droite. Ah, je le vois. Depuis FF15, la bouffe a pris vraiment de l'ampleur dans les RPG. Mais dans les Tales of, il y a toujours eu, je crois, la bouffe. Hein. Me semble-t-il. Je peux pas monter ? Ah bah non. Évidemment que non, je peux pas monter.